Bonjour les amis. Alors, on continue. Alors là, c'est la lettre que j'écris à la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Alors, vos informations personnelles, je les ai rentrées. Autre sujet, puisque le reste, ça ne me concerne pas. Donc, autre sujet, votre message. Alors, je me présente, Guy Tenenbaum, représentant l'association Loi 1901 Survivre au cancer, numéro, etc. J'ai été diagnostiqué d'un cancer de la prostate phase 4 avec métastase dans les os et les ganglions lymphatiques. Mon cancer est incurable et les médecins me donnent un maximum d'un an à vivre. Je n'accepte pas ce diagnostic, étant donné que j'ai cherché et trouvé des traitements à travers le monde qui manifestement fonctionne puisque ma santé s'est grandement améliorée en 10 mois. Nous vous avons déjà contacté au mois d'avril 2019 et nous n'avons jamais obtenu de réponse de votre part. En effet, il est inadmissible que des organismes officiels comme le vôtre laissent mourir environ 200 000 Français chaque année sans essayer de les sauver. Les essais thérapeutiques que nous vous réclamons sont très simples à réaliser et ne coûtent pratiquement rien. Il me semble que les seuls essais thérapeutiques que vous consentez à effectuer sont ceux qui peuvent rapporter gros. Votre mission est de sauver vos concitoyens. Étant donné que vous n'acceptez pas les liens Internet sur votre formulaire, je vous demande à nouveau de me contacter afin que je vous donne la liste des essais thérapeutiques que nous exigeons. De plus, nous estimons que le traitement des malades du cancer dans la majorité des hôpitaux français est fait en dépit du bon sens. D'un côté, les hôpitaux essaient de les soigner avec chimiothérapie, radiothérapie, etc. Et de l'autre côté, ils sont empoisonnés à coups de glucides, non pas glucose. Je vais corriger tout de suite. De glucides. Excusez-moi, et d'hydrate de carbone à chaque repas. La décision de changer tout cela vous appartient, est-elle extrêmement urgente. Ai-je besoin de vous rappeler que 200 000 de nos compatriotes meurent chaque année et que vous ne faites rien. Voilà, vous voyez, je corrige. Oh, voilà. Et j'ai mis quand même le lien internet au cas où. Ça marche, mais avant ça marchait pas. Voilà, je ne suis pas un robot. Envoyez mon message. Et voilà. Merci. Et ben voilà. Et ben voilà. Alors voilà, notre équipe vous apportera une réponse dans les meilleurs délais. On va voir. C'est la même réponse que j'avais eue la dernière fois en avril. Avril, mai, juin, on est en juillet, 4 mois, toujours pas de réponse, mais c'est peut-être les délais. Leur meilleur délai, c'est peut-être 4 mois. Enfin non, plus que 4 mois. Voilà, donc c'est fini pour l'arc. Et maintenant, j'arrête et je passe au suivant. Je vous rappelle que cette lettre, on l'envoie en recommandé aussi à l'adresse sur leur site. Très bonne journée, à tout de suite.